bonjour, j'aurais dû baiser avec une nana noire avant de me marier. Bonjour, Oprah. Oh, bonjour, Madame Davis. Je vois que vos signes vitaux sont bons, mais je vais quand même les vérifier une dernière fois avant de vous relâcher dans la nature. Ouf, elle m'a pas claqué entre les doigts, celle-là. Pas comme l'autre taré qui s'est fourré un sèche-cheveux dans le rectum et qui s'est électrocuté sous la douche. Et ce serait moi le responsable. Quelle idée de faire un truc pareil. Excusez-moi. Docteur, vous avez dit quelque chose? Non. Je crois que si, vous avez parlé d'un type qui s'est fourré un sèche-cheveux dans le cul. Ça m'étonnerait fort. Non, je vous ai entendu. Et c'est bizarre, c'est carrément très bizarre de dire ça. Écoutez, en tout cas, votre pression artérielle est normale, ça va. Je commence à perdre la boule. À partir d'aujourd'hui, plus d'alcool au travail. Seulement de la cocaïne. Hé hey ! Pourquoi vous me parlez de coke ? C'est votre problème ? A, ça me met très mal à l'aise parce que vous êtes médecin. Et B, je n'ai aucun besoin de savoir tout ça. Je n'ai rien dit. Si, vous l'avez dit. Vous nous enregistrez ? Quoi ? J'appelle un avocat. Vous devriez vous faire désintoxiquer, docteur. Mais où est mon portable? Ah, tu vas mieux. Alléluia. Dieu soit loué. J'ai prié le Seigneur toute la nuit et j'ai jeûné. Je suis morte de faim. Oh, ne dramatise pas. J'ai mal aux genoux tellement j'ai prié. Et j'ai des snacks apéritifs. J'ai vidé le distributeur. Il y a une odeur de blénorragie ici. Répète. Madame Davis, vous pouvez partir. Oh, enfin, Dieu il était temps. Je peux te ramener chez toi ou à l'agence. Je t'ai pris un tailleur. À l'agence? Ali, si tu te détendais un peu. Non, même pas la peine d'essayer. Tu sais quoi? Tire le rideau, je vais m'habiller. Allez, allez. Hey, c'est cool ici. Ah oui, tout va bien. Ça va très bien, oui. Ce qu'il y a, c'est que on a enterré une vie de jeune fille hier soir et on a la gueule de bois. Alors ce serait gentil de nous donner des vitamines, genre oxycodone. Non, madame, je ne vais pas pouvoir. Du Darvocet? Du Percocet? Autre chose en 7? Aucun 7? Oh, vous êtes vilaine. Vous ne nous donnez rien? Non, madame, nous ne pouvons pas. Ah, désolée. Je sais. Mais avec ça, vous allez changer d'avis. Vous n'aurez plus d'avis. On se voit au 8e étage. Je fais pas ce genre de transaction en public. On se retrouve au 8e, dans le placard. Oh, le médecin m'a interdit de conduire pendant une semaine. Ça va tout juste me laisser le temps de retrouver mon permis de conduire, qui pourrait être à peu près n'importe où après la soirée d'hier. Aujourd'hui au moins, je vais pas avoir à décoller un préservatif usagé sur ton dos. Enfin, je croise les doigts. Je te préviens, Brandon, arrête de faire ça. Arrête de faire quoi ? Arrête de parler sans bouger les lèvres et arrête de balancer des choses mal polies que tu ne devrais même pas dire à ta patronne. Écoute, je te jure qu'il ne me viendrait jamais à l'idée de te dire quelque chose d'irrespectueux ou de déplacé. Et j'aimerais bien que ce soit réciproque. Là, à l'instant, tu l'as fait. T'as dit « j'aimerais bien que ce soit réciproque ». Et avant, t'as parlé de décoller un autre préservatif. Je t'ai entendu le dire. Non, de quoi tu parles? J'ai jamais dit ça. Merde, tu lis dans mes pensées. Si tu entends tout ce que je pense, je suis dans la merde. Oui, Brandon, j'entends tout ce que tu penses et tu es dans la merde. Allez, Brandon, arrête cette voiture. D'accord. Arrête-toi, j'ai besoin d'air. D'accord, je m'arrête. J'ai besoin d'air. Arrête-toi ici. Oui, je m'arrête. Arrête-toi, portail, un peu sur le froid. J'ai appuyé sur le froid. J'ai arrêté de penser, je te jure. Je crie plus dans ma tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu montes jamais un escalier. Qu'est-ce que tu fais? Oh, du calme, du calme. De l'air frais. Salope Clébard. Je voudrais pouvoir chier n'importe où, moi aussi. Ça serait cool. Putain, elles me font mal, ces chaussures. C'est quoi le nom de ce fromage que j'adore? Michael Keaton a été le meilleur Batman. Hé, hey, salope, j'ai un look d'enfer avec ce chapeau, je sais. Il me faut ce boulot. C'est beau sur mon pantalon, pas du coup, pour notre puzzle. Non, y a rien de mal à être puceau, malgré ce que dit maman. Bonjour, j'aurais dû baiser avec une nana noire avant de me marier. Bonjour, Oprah. Des pavés. C'est toi, Brandon, ferme-la. Bonjour, Madame Davis. Bonjour, comment ça va? Finalement, porter des sous-vêtements féminins, c'est fantastique. Qui aurait cru? Ali, t'entends aussi les autres? Comment j'ai signé Matt Ryan? Sa femme et moi, on a des amis en commun à la fac. Je suis devenu donateur dans son association préférée, comme par coïncidence. Elle a dit du bien de moi à son mari, et voilà. Toi, comme lèche-cul, tu bats des records. Bravo, respect. Il a une montre plus belle que la mienne, ce truc. C'est sûrement un gosse de riche. Merde, j'espère que personne ne verra que ma Rolex est fausse. Ça roule, Ali Davis? Bonjour, messieurs. Oh, je déteste ma voix. Je déteste mon nez. Je déteste mon menton. Je suis nul.
Faire comme si je travaillais, faire comme si je travaillais, faire comme si je travaillais, faire comme si... Je suis sûr que je pue encore la tequila. C'est fini de boire toute la journée. Bonjour. Regarde droit devant toi. Ah, ce que ça fait mal, les piercings. Ah, ce que ça fait mal. Non, le sexe anal, c'est pas de l'infidélité. Je me demande s'il est trop tard pour devenir biologiste. Oh, rien, ce déodorant. Quoi ? Dans l'équipe des Jets ? N'importe quoi, tu te fous de moi ? Hé, hey, tu te fous de ma gueule ? À quoi tu joues, là ? C'est pour ça que papa est parti. C'est à cause de ce genre de conneries que papa a quitté la maison. Ah, bonjour, vous deux. Ouf. Je serais prêt à payer 10 000 dollars pour voir ces tétons. Plus la TVA. Thank you.